tous, une vidéo qui ne sera liée à aucun article, simplement j'ai envie d'enregistrer l'installation d'une Debian Alpha 4, enfin Debian 1.0 Alpha 4. Vous savez, la Debian, la base de Debian qui a décidé de foutre un coup de pied au cul de systemd pour remettre en place SysVinit. Grand mis leur face. L'Alpha 4 est affiché sur le site officiel de la Debian. Voilà, la version actuelle est l'Alpha 4. Et apparemment, malgré tout ça, c'est utilisé par certains développeurs. D'accord. Donc, j'ai téléchargé l'ISO, qui n'est malheureusement qu'un install netboot, en clair par le réseau. Voilà. Donc, il y a une image de 28 mégaoctets, je ne vais pas dire, c'est quand même assez léger. Pour voir ce que donnait l'ensemble. Et apparemment, je ne sais pas si VDEV sera installé ou pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les commits? Je ne sais pas si VDEV est intégré. On va déjà voir à quoi ressemble la Debian Alpha 4. Donc, pour ce faire, j'ai créé une machine Debian 64 bits avec 2 Go de mémoire vive et 128 Go de disque, comme vous pouvez le voir. On est parti. J'espère que cette vidéo ne durera pas plus d'une demi-heure. Là, il y a déjà, ça fait un peu penser à Monsieur Spock. Paix et fraternité, je crois me souvenir. Voilà. Enfin, je ne suis pas un super fan de Star Trek non plus. Donc, nous avons l'installateur de la Debian Wheezy, pardon, de la Debian en mode texte. Donc là, il n'y a pas besoin d'expliquer beaucoup. Hein. Je vais garder les options par défaut. Pour tout, mis à part le partitionnement où je vais demander d'avoir une partoche home séparée. Et pour l'environnement de bureau, il y a plusieurs choix, mais je crois me souvenir que par défaut, c'était XFCE dans la version précédente de la Debian que j'avais testée. Donc on va pas chercher package Debian.org. On va essayer FTP. On va voir si ça gueule ou pas. Donc il récupère l'ensemble. Donc là, il installe la base. Je vais mettre un mot de passe pour root. On va créer un utilisateur avec le mot de passe qui va bien. Voilà. Pour le moment, c'est très compliqué, comme vous pouvez le voir. Donc, assister avec un disque entier, blablabla. Partition M séparée. Bien sûr, j'applique le changement. Donc là, il n'y a rien de bien sourcé. Ce serait peut-être mieux avec l'installateur graphique, mais bon. Donc là, il vient installer la première base, en espérant que l'utilisation du numéro du miroir FR ne va pas exploser en vol. Désolé, c'est un peu long. On n'y peut rien. Et encore, j'ai une bonne connexion.
C'est ici qu'on regrette qu'il n'y ait pas une image base un peu plus grosse, comme le CD1 de la Debian, pour gagner un peu de temps à l'installation. Enfin, on ne récupère pas directement les derniers paquets, ce qui n'est pas mal que ça d'ailleurs. Étant donné que c'est la même base que la JSI, Debian est plus Linux que la JSI, pour la plupart des paquets. Bref. On voit que c'est bien la base de JSI, le noyau Linux est un 3.16. Arrive enfin un peu d'action. Presque.
popularité. Non, merci. Maintenant, on arrive au choix d'environnement. Donc, je vais prendre XFCE qui n'est pas trop lourd. Et on voit qu'il y a le serveur d'impression, donc il y a Clips qui est installé. Tant mieux. Ça change par rapport à l'alpha 2 de la Debian. Donc là, il y a 1189 paquets à récupérer. Minutes annoncées. On revient dans 5 minutes. Oula, 3 minutes. Et ceux qui ne travaillent pas pour Windows, là, pour estimation de temps. Vous savez, les dialogues de copie de fichiers, d'abord 5 minutes, puis 2, puis 1, puis 20 secondes, et puis ça repart à 3 minutes. C'est les copies de fichiers sur Windows. Tout un art. Et tous des souvenirs pour les personnes qui ont connu ça. Et c'est là qu'on croise les doigts pour pas avoir de plantage de réseau. Gentil réseau, tu vas pas planter saleté, va. Il est gentil le réseau, il va pas planter le réseau. Faut savoir leur parler poliment au réseau. Tout ce qui est informatique, il faut leur parler gentiment. Ça fonctionne mieux comme ça. On ne parlera jamais assez de la puissance de la parole positive. Jamais. Oui, je sais, c'est ennuyeux, désolé, mais c'est comme ça, quoi. C'est ennuyeux les installations par réseau, surtout quand ça fonctionne. Dire aussi, je crois qu'il y a LibreOffice qui est récupéré, donc c'est fait un gros paquet à récupérer aussi. Ça y est, il installe l'ensemble. Donc là, c'est illisible. Donc si vous voulez quelque chose, vous mettez sur pause et vous redémarrez la vidéo. C'est plus simple.
vu que LibreOffice était installé. Bon, je suppose que ce sera LibreOffice 4, étant donné que c'est basé sur Debian JSI. Donc dans 5-10 minutes ça sera terminé, avec un peu de chance. Encore heureux, j'ai pas demandé l'installation d'un KDE, parce que sinon on serait encore en train de récupérer les paquets. Je sais, c'est méchant envers KDE, mais vu le nombre de paquets qu'il y a...
C'est quand même un peu long, désolé, là, j'y peux rien, j'essaie de meubler un peu. Ça avance. Ouais! Vivement une image ISO préinstallée. Une image ISO avec tout de préinstallé, style à la Debian CD1. Ça sera le mieux, ça sera beaucoup plus rapide. Tellement mieux, tellement plus rapide. Les imprimantes s'installent, comme je l'avais dit un peu avant, contrairement à la DVAN Alpha 2 où il n'y avait pas de CUPS supporté. Déjà, on a peut-être une DVAN presque utilisable. Ouais! Joie! Un an après avoir lancé le projet, c'est pas si mal que ça, finalement. Hein. Pardon. On installe GRUB et on va pouvoir redémarrer sa DVAN fraîchement installée. Ça a été un peu long, mais on y arrive. Ouais!
Donc là, on va passer en plein écran une fois qu'ils auront démarré. Voilà. Donc pour le moment, il y a l'artwork. Enfin, si vous préférez, le fond d'écran qui n'a pas changé. Donc on a le bon vieux 6V init qui démarre l'ensemble. Les couleurs je veux bien, mais il faut quand même éviter d'arracher la rétine. C'est quand même mieux. Enfin, je dis ça, mais éviter d'arracher la rétine avec des couleurs vives, ça serait pas plus mal. Enfin, pour dire, j'ai mauvais goût. Personnellement, je préfère des teintes plus froides comme celle-là, ça arrache moins la rétine. Donc, on a XFCE 4.10, je suppose. Ouais, 4.10. Avec WCD, est-ce qu'on a le son qui fonctionne? Donc, côté application, on a bien sûr le truc classique. Est-ce qu'on a les répertoires français? Oui, c'est bon pour ça aussi. Côté bureautique, là. On a LibreOffice, donc c'est la version 4.4, étant donné que c'est une version de la Debian, donc automatiquement une version un peu vieille, mais toujours utilisable. En français par défaut, donc ça reste utilisable, même s'il y a mieux sur le plan, mais sa version stable maintenant la 5.0. Bon, ça sera le cas plus tard donc. Donc dans VLC 2.1, 2.2, 2.1, c'est bon. Alors, côté imprimante qui manquait la dernière fois, on a le gestionnaire d'impression. Ok, avec système config printer, même s'il manque des icônes, au moins ça met à être fonctionnel. Côté internet, on a IceWizzle. Je pose la version ESR de la débianisation de Mozilla Firefox. Oui, sa version débianisée. Donc, on va voir ce que me dit CUPS. Donc, c'est la version de CUPS un peu vieille, mais celle qui fournit avec la Debian et donc la Debian. Donc Synaptique, donc c'est OK. Donc on a un équipement utilisable. Ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais ça reste utilisable, c'est le principal. Donc on va voir ce qu'il nous dit au niveau des infos techniques. Donc c'est Devagn Nuke Linux 1. On va installer SBRelease. D'accord. Donc, sudo n'est pas activé, autant pour moi. D'accord. Alors moi ce soit LSB Release. Bon, il n'y a pas LSB Release, autant pour moi. Donc bien sûr le noyau, c'est un noyau 3.16. Tiens donc. C'est juste parce que j'essaie de me connecter sans avoir accès à sudo. Oh, c'est pas grave. Voilà.
Donc vous voyez, voilà ce à quoi ressemble la DeviantArt actuellement. Par contre, je ne sais pas si pour le moment il y a VDF installé ou pas. On va savoir ça tout de suite, mais je ne pense pas. Statique. Alors, est-ce qu'il y a VDev? VDev, non, il n'y a pas encore VDev installé. On sera sûrement un peu plus tard. Voilà, bon, je voulais vous montrer à quoi ressemblait la DevOne. Pour le moment, il n'y a pas grand chose. Il y a du progrès. Ça ne casse pas trop, pas un canard, il y a du progrès. Donc, on verra quand la DevOne bêta, voilà, la DevOne finale sortira. Allez, salut à tous et à la prochaine. Ciao!